Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Canal Verdun. D'abord, nous allons vous présenter l'histoire du football. Ensuite, nous allons accueillir dans notre studio Pelé, l'ambassadeur du Mondial brésilien. Enfin, nous allons vous présenter un film dont les acteurs sont les élèves de CM1F. Amusez-vous bien, merci. Le football est un sport collectif opposant deux équipes de 11 joueurs dans un stade. L'objectif de chaque formation est de mettre un ballon sphérique dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent que l'autre équipe. Codifié par les Britanniques à la fin du 19e siècle, le football s'est doté en 1904 d'une fédération internationale, la FIFA. Pratiqué en 2006 par environ 264 millions de joueurs à travers le monde, le football possède le statut de sport numéro 1 dans la majorité des pays. Certains continents comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe sont même presque entièrement dominés par cette discipline. La simplicité du jeu et le peu de moyens nécessaires à sa pratique expliquent en partie de ce succès. La Coupe du Monde est l'épreuve internationale la plus prestigieuse. Elle a lieu tous les 4 ans depuis 1930. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Canal Verdun, nous accueillons un des meilleurs joueurs de football au monde, le roi et son parcours du monde de football. Merci d'accueillir Pelé. Monsieur Pelé, on peut faire une interview avec vous? Oui, bien sûr. Quel est votre prénom et votre nom de famille? Je m'appelle Edson Aaron do Nascimento. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilien. Quelle est votre date de naissance? Je suis né le 23 octobre 1940. Combien de coupes avez-vous gagné? J'ai gagné plus que 4 coupes. Qui a gagné la Coupe du Monde 1998? La France a gagné la Coupe du Monde 1998 après un match acharné contre le Brésil. Combien de buts avez-vous marqué? J'ai marqué plus que 1000 buts. Y a-t-il un but bien marqué dans votre mémoire? Oui, c'était mon tout premier but contre l'Argentine quand j'avais 16 ans. Pourquoi avez-vous choisi le foot? Parce que c'est un jeu populaire, je descends d'une famille pauvre. Quels sont vos sentiments après le match? Après le gain d'un match, je n'arrête pas de arrêter mes larmes de joie. Vous préférez jouer contre une équipe forte ou faible? Je préfère jouer contre une équipe forte qui envoie des passes. Quand as-tu marqué votre millième but? J'ai marqué mon millième but en 1960. Dans combien de clubs avez-vous joué? J'ai joué dans deux clubs, FC Santos et New Cosmos. Combien d'années a duré votre carrière? Ma carrière a duré 21 ans. Qu'est-ce que vous avez fait après votre retraite sportive? Après ma retraite sportive, je suis devenu ambassadeur à l'éducation et l'environnement. Après ma mort, j'aimerais que les gens se rappellent que j'ai été une bonne personne qui a toujours voulu unir les gens et rassembler les peuples et qu'ils se souviennent aussi que j'ai été un bon joueur. Où tu as laissé ta gourde? Je sais pas, quelque part ici. Karim, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Madame,
Il y a un fantôme dans le gymnase. Ouvrir la portière. Madame, il n'y a personne. C'est le fantôme. Si, c'est le fantôme. Viens, viens, viens. Entrez dans mon bureau. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? On était en train de chercher un maîtresse. Ne mentez pas. Mais monsieur, c'est lui qui m'a dit de frapper à la porte pour faire croire qu'il y a un fantôme à l'école. Ah! C'était vous qui avez frappé à la porte de CM1F hier. Oui, monsieur. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur le directeur. Je vous présente les fantômes de l'école. Ce sont eux qui ont fait peur à Karim et à Marcel dans le gymnase. Ce sont eux qui ont frappé à la porte hier. Ils ont quelque chose à vous dire. On est désolé, on ne recommencera plus.